notre Dieu est juste et juge et fidèle. Il agit dans sa justice pour justifier les siens qui marchent selon sa parole. Même si tout ne semble pas marcher dans ta vie, ne perds jamais l'espoir, tourne ton regard vers lui. As-tu déjà vu un juste abandonné? As-tu déjà vu un juste rejeté? Oh non, je n'ai jamais vu cela et je ne le verrai pas. Je n'ai jamais vu cela et je ne le verrai pas. Je n'ai jamais vu cela, jamais vu cela, et je ne le verrai pas. Je n'ai jamais vu cela. Même si le monde te rejette sans cause, n'abandonne pas ta foi. Même si devant toi toutes les portes sont fermées, ne perds jamais l'espoir. Même si dans ta vie tout ne semble plus marcher, n'abandonne pas ta foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. C'est par la foi que Sarah a eu Isaac. C'est par la foi que Bartimée a recouvert la vue. David dans ses combats avait mis sa foi en Dieu. Il avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Me vient de l'Éternel. Oui, qui a fait le ciel et qui a fait la terre. As-tu déjà vu juste abandonné? As-tu déjà vu un juste? Come on! Rejeté? Oh non! Je n'ai jamais vu cela et je ne le verrai. Je n'ai jamais vu ces gens. Non, 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 non. Et je ne le verrai. Je n'ai jamais vu ces gens. Non, non, non. N'abandonne pas ta foi. Même si devant toi toutes les portes sont fermées, jamais l'espoir. Même si dans ta vie tout ne semble plus marcher, n'abandonne pas ta foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. La foi que Sarah a eu Isaac. C'est par la foi que Bartimée a recouvert la vue. David dans ses combats avait mis sa foi en Dieu. Il avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? De l'Éternel, oui, qui a fait le ciel et qui a fait la terre. As-tu déjà vu un juste être abandonné? As-tu déjà vu un juste? Come on! Et je t'ai au nom. Balance ton main comme ça, comme ça. Et je t'ai. Je n'ai jamais vu cela et je ne le verrai.
n'ai jamais vu cela. Et je ne le verrai pas. Je ne le verrai pas. Non, 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 non. Je ne le verrai pas. Non, non. Je n'ai jamais vu cela. Et je ne le verrai pas. Le silence de Dieu. Le roi David, pendant qu'il traversait des moments difficiles, que cette déclaration lui est venue. C'était dans le psaume 37, verset 25. Il déclara que j'ai été jeune, j'ai grandi. Alléluia. Oh! Ça, c'est l'histoire de ma vie. Alléluia. Jésus. Bien-aimé, peut-être ça peut être ton histoire. Tu traversais des moments difficiles. Mais il y avait un Dieu au ciel qui ne somnole ni ne dort. Alléluia. J'ai été jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Tant que Jésus sera sur son trône, je ne manquerai de rien. Tant que Jésus sera sur son trône, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Alléluia. Là, on peut acclamer et pousser des cris de joie. Je l'adore, je l'ai loué.
bon, rien ne m'arrête, les fidèles. Je le sais, moi je n'appelle mon papa, c'est si bien prendre soin de moi. Je veux te tomber, être avec lui, c'est mon plus grand bien. Je veux me coller, ma force trouve en lui. Que j'aille à droite, que j'aille à gauche, je ne crains rien. Tant que Jésus sera sur son trône, comme ça, je m'en vais. Alléluia, tant que Jésus sera sur son trône. One more time, one more time. Oh yeah. Concerne la musique, c'est bien sûr Don Juan Acoustique qui, pour ce numéro unique, reçoit pour vous le frère Franck Mimi avec ce chaleureux public et qui me permet bien sûr de vous dire à vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et vous aussi, chers téléspectateurs, bienvenue Don Juan Acoustique. Et sans plus tarder, je me retourne vers notre hôte, vers notre convive, pour lui dire bonjour, bonsoir, frère Franck Mimi. Bonsoir, mon frère. Ok. La première question qui nous brûle les lèvres envers bien sûr le frère Franck Mimi, voilà, c'est de nous parler un peu de lui. Qui est le frère Franck Mimi? Le Franck Mimi est simple un serviteur ou chantre de l'Éternel. Mm-hmm. Je vis en Angleterre, ça fait presque 22 ans que j'y vis. Ça c'est ma troisième fois de pouvoir revenir dans mon pays. La première fois que j'étais venu ici, c'était en 2010. En 2012, lors de l'enterrement de mon père. Mm-hmm. Et me voici encore de nouveau pour la prestation en fait, ici à Biwan. Dans un acoustique. Magnifique. Exactement. Yeah. On peut dire que... Do you speak English? Yes, I do. Friendly? Of course. But not me. Ok, d'accord. D'origine congolaise, anglophone, parce que depuis plus de 22 ans, c'est bien sûr le monde que vous êtes en train de respirer. Dites-nous encore une fois de plus, c'est quoi votre parcours? Quel est le parcours du frère Franck Mimi? De sa naissance jusqu'à ce jour. Voilà. Mon parcours est tellement long. En fait, j'ai commencé à chanter à l'âge de 5 ans. Lorsque nous habitions encore à Binjaozon, mm-hmm. nous avions une église appelée à ce moment Panté, voilà, Panté. Nous résidions juste une ou deux avenues après l'église. Alors j'étais avec ma sœur, Gratienne, qui est juste derrière moi. Moi, j'avais 5 ans, elle avait, je crois, 8 ans comme ça, 7 ans. Bonsoir, sœur Gratienne. Oui, nous allions dans cette église pour servir l'Éternel. Mais nous ne savions absolument rien de la musique et tout comme ça. Mais nous chantions quand même dans ce qu'on appelait école des dimanches. L'écodime. Écodime, oui. Voilà, on appelle ça écodime. Et en avançant, nous avions eu une chorale appelée Étoile du matin. C'est dans cette chorale que nous évoluons. Nous étions avec moi, j'étais avec ma grande sœur et d'autres chantres aussi. Bon, quelques années plus tard,
mon grand frère que je salue en passant, qui vit actuellement en Suisse, Berne, le frère Rino Moyo. Bon, les gens qui le connaissaient auparavant lorsque nous jouions de la musique ici, on l'appelait Rino Mvumbi, effectivement. Rino Mvumbi, c'est la mort, et Moyo, c'est la vie. Ah, ok, voilà. Donc, il vit actuellement à Berne, Suisse. Ils étaient à trois. Lui, un autre grand frère, Francis, et Hubert, donc tous les trois, jouaient dans un orchestre un peu mondain, quoi. Donc, ok. Exactement. Non, mais c'est l'histoire. Voilà, exactement. Voilà. Ils jouaient, et puis, bon, ils grattaient à la guitare. Okay. Et puis, ils chantaient aussi. Donc, ils avaient formé un trio. Quelques années plus tard, ils nous rejoignirent dans le groupe, dans la chorale, et nous commencions à chanter. Bon, comme eux, ils étaient plus âgés que nous, on lui a donné la poste ou bien le titre de pouvoir nous diriger. Mais arrêtez, comprenez qu'il place des le à la place des là, ou alors parce qu'il vient d'un pays anglophone. Exactement. Et comprenez qu'il puisse transpirer, qu'il puisse avoir quelque chose pour se tamponner. Pourquoi? Parce que c'est à cheval entre et le show et bien sûr le talk que nous sommes en train de faire. Évidemment. Alors, on continue l'histoire. Oui, alors lui, il deviendra, n'est-ce pas, le dirigeant adjoint, mais nous avions un dirigeant titulaire qui s'appelait Francis. Okay. Il est mort. Il est déjà mort, il est déjà décédé il y a longtemps. Paix à son âme. Paix à son âme. Mais mon père, comme il fut catholique, il n'est plus là, il fut catholique comme ma mère, il ne voulait pas que nous allions dans l'église de réveil. Ok. Lorsqu'on rentrait de la répétition, il nous tabassait. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Et surtout mon grand frère, le frère Rino. Ok. Comme lui, il était plus âgé que nous, on le tabassait. Il a reçu les bastons qu'il fallait. Exactement. Ouais. Mais moi, j'allais à l'église catholique, mais j'allais aussi dans l'église du Rocher. Ok. Maintenant, nous avions un pasteur, pasteur Dédé Kikavanga, lui aussi, il est mort. Lui, il me disait toujours, Franck, il faut que tu viennes ici, il faut que tu sois permanent dans l'église de réveil ici, à la cité Mamobutu. Et mon frère aussi, il me disait, si tu veux demeurer ou être mon frère, il faut que tu quittes totalement l'église catholique, que tu nous rejoignes ici, dans l'église de réveil. De ici. Réveil. Okay. C'était vraiment un combat. Parce que là, j'étais un grand batteur dont j'ai joué au tam-tam à l'église. Donc les abbés, ma soeur et tout consort. Ils étaient vraiment mes fans. Okay. Ils ne voulaient pas me laisser partir. Donc c'était un combat interne en vous. Et exactement, interne en moi. Parce que je me disais, je suis habitué à jouer au tam-tam. Et les gens même ici, là-bas aussi. Donc, et j'ai beaucoup de fans. Et je jouais très bien. Même 5 tam-tam, je pouvais. Il y a des sons différents. Oh là là. Ouais, mais ça c'est un don. Exactement. Après un jour... je décide de pouvoir quitter pour toujours. J'avais quitté l'église catholique pour rejoindre l'église du réveil. Le Rocher. Le Rocher, voilà. Papa a dit Papa a fait quoi? Donc Dieu vraiment m'a convaincu, ainsi que les gens de l'église, c'est-à-dire mes pasteurs, parce que nous avions 3 pasteurs. Mm-hmm. Pasteur Dédé Kikavanga, pasteur Charles et puis pasteur Babaka. Donc tous ces 3 pasteurs m'avaient convaincu, y compris mon grand frère. Okay. Donc j'étais vraiment obligé de pouvoir quitter définitivement. La réaction de papa, bah, c'est la question que je pose par rapport à la petite histoire. Il a dit quoi, il a fait quoi? Mon papa. Ah, parce qu'il avait tapé Runo. Voilà, mon papa, à cette époque-là, nous... Okay. On était déjà devenus des grandes personnes. Ah, ok, mature, d'accord, exactement. Voilà, exactement. Très bien. Pour la petite histoire, je veux qu'on applaudisse bien fort pour notre convive, pour notre invité. On a pu connaître bien sûr son parcours jusqu'à ce qu'il soit ce qu'il est devenu aujourd'hui pour nous revenir encore dans One Acoustic pour la première fois, il faudrait qu'on se le dise. Et quel style musical adoptez-vous? Ah, en tout cas, je combine beaucoup, plusieurs sortes de styles. Parce que là, dans mon album, j'ai 13 titres. Bon, chaque chant, j'ai utilisé
un style particulier. Par exemple, Je n'ai jamais vu cela. Qui est le titre de l'album, faudrait qu'on le dise. Exactement, le titre phare de l'album. J'ai utilisé le R&B. Dans deuxième chanson, Tant que Jésus sera sur son trône, c'est reggae. Et puis il y a zouk, il y a rumba, il y a salsa aussi. Donc pour dire. Il y a les soukous aussi à la fin. Ça c'est pas faux. Là on a remarqué qu'il y avait du soukous. Hein. Et ça bouge avec bien sûr le frère Franck Nimi, ça bouge et ça bouge vraiment fort. Donc on peut dire que vous êtes un mélange de tous les styles musicaux qui vous accrochent, mais vous avez plus une tendance sur ceux qui bougent le plus en fait. Ouais. Ah bon? Ouais, parce que ça, vous le confirmez. Moi j'aime bien bouger. Hein. Il confirme, lui il aime bien bouger. Ouais. Bongo, ni bana to bana, et ça n'a pas
Zouké, 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 Zouké pour la gloire de Dieu. Zouké, Zouké, Zouké pour la gloire de Dieu. Zouké, Zouké. Écrasé, Zouké. À revenir par rapport à votre parcours, bien sûr, sur votre séjour à Londres. Nous avons ouï dire que vous avez été aussi formateur, professeur. J'étais aussi formateur, c'est entre 2001 et 2003. Okay. Nous avions ouvert une académie musicale, moi et le frère Joël Bumba, qui est aussi à Londres. Bon, lui, il dispensait les cours de keyboard, donc synthé, et moi, je dispensais les cours de développement vocal, voilà. C'est ça. Dans les vocalises. Exactement. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'était dans le cas de qui, de, comme on dit en langage quinois, du qui cherche, ou bien c'était juste par la passion? Non, par la passion, parce que ici d'abord, nous avions un professeur qui venait de l'INA, qui venait nous donner les cours au studio Sangomalam, et puis dans notre église, l'église du Rocher. Ok, d'accord. Alors, si on peut essayer d'évoluer. Pouvez-nous donner vos modèles à vous, au moins deux, citer deux noms des modèles qui vous ont inspiré dans ce genre musical.
Voilà, comme j'ai dit auparavant, donc mon modèle, premièrement, comme je vous ai dit là, le roi David. Bon, ça c'est dans le monde spirituel. Le monde spirituel. Mais non, dans notre monde ici, donc Cool Matope, Ron Kenoly, tout ça aux États-Unis. Ok. Voilà. Ce qui nous permet de comprendre votre acquaintance par rapport à la partie R&B aussi. Pourquoi? Parce que Cool Matope aussi, c'est un peu le genre. Évidemment. Dans ses débuts. Et Ron Kenoly, bon ben, c'est là-bas. Alors maintenant, comment se présente la structure des choses en ce qui concerne, bien sûr, non seulement la carrière, non seulement l'album, parce que cet album dont vous nous parlez, en puisant un peu dans les informations que nous avons pu avoir, c'est depuis 5 ans que l'album existe déjà. Évidemment. Alors comment se présente la structure des choses? Je venais de vous le dire, l'album est sorti depuis 2015. Bon, en Europe, je n'avais vraiment pas assez de moyens de pouvoir regrouper tout le monde comme j'ai regroupé aujourd'hui. Parce que d'abord, je pouvais bien avoir les moyens, mais le problème, c'est le timing. Okay. Donc les gens n'ont pas vraiment le temps comme ici. Ici, on peut s'enfermer même une journée en train de faire des répétitions. Alors que là-bas, ils sont plus busy. Là-bas, comme ils sont busy. Donc ils sont, occupés. Ils sont trop occupés. On applaudisse bien fort, très très fort bien sûr, notre convive, en vous montrant bien sûr l'album, le support en dur, le CD et DVD. C'est tout un coffret en fait. Il y a un CD, un DVD. Et c'est seulement CD. CD seulement. Il y a un seul clip là. Ok. Bon, je dois réaliser, par la grâce de Dieu, 3 clips ici. 3 clips ici à Kinshasa. Et le titre, c'est bien sûr « Je n'ai jamais vu cela ». Oui, mais le clip qui est là, c'est « Mold me »,« Brise-moi ».« Mold me », in English, « Brise-moi ». Si vous tapez sur… « Brise-moi » en lingala, les années. Megara. Bukangai. Ok, d'accord. Abukai. Baby lingala. La quand c'est au Bosanegui. On a les enfants. Et ça allait bien. Ok, d'accord. Alors, nous entrons dans la deuxième partie. Nous allons bien sûr essayer de parler maintenant de l'œuvre. Et en quelques minutes, et par rapport bien sûr à tout ce que vous allez avoir à suivre en ce qui concerne les prestations, parce que vous avez déjà commencé à le suivre tout au long bien sûr de cet entretien. Et vous avez compris comment est-ce que c'est assez chaud, c'est assez vivant. On sent que Jésus est vivant à travers bien sûr les œuvres de notre frère Franck Nimi. Et on est toujours debout. Quand on écoute cette musique, ça veut dire que l'on glorifie l'Éternel à travers, bien sûr, ces différents sons. Alors, par rapport à cela, je me retourne vers vous, frère Franck. Je retrouve mon beau papier. L'album « Je n'ai jamais vu cela ». Pourquoi ce titre? Et dans quel contexte cela vous a été inspiré? Divinement, bien sûr. Voilà, j'étais en train de traverser des moments très difficiles. Parce que quand vous êtes parfois dans un pays étranger, vous n'avez pas de famille, vous n'avez vraiment aucun sou, tout ça. Vous avez de rejet, parce que moi je devais avoir le papier, on allait me répondre depuis 2001, mais on m'avait donné l'ordre même de quitter l'Angleterre pour que je revienne ici. Et moi j'étais parti là en 99, uh-huh. En 2001 on voulait me faire rentrer au pays. Vous expulser. Oui, exactement, avec la souffrance et tout qu'on sort, tout ça. Mais Dieu quand même a fait grâce, on m'a donné le papier. Et en 2006, j'étais devenu British citizen. Ok, ouais. Donc citoyen anglais. Exactement. Voilà. Ouais. Et comme vous n'avez jamais vu ça de votre vie, ni de chez l'un des voisins, ni chez... Vous dites au monde que par rapport à Dieu... Oui, il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je m'étais référé au roi David. Ok, d'accord. Lorsqu'il était dans la forêt, alors qu'il y avait l'ours, il y avait les lions, il y avait même son fils Absalom, mm-hmm. qui le poursuivait. Donc, il a fait... il a écrit un cantique dans le psaume 37, verset 25. Il dit, j'ai été jeune, j'ai grandi et je vieillis. Je n'ai point vu un juste être abandonné, amen. Ni sa postérité mendiant son pain. Amen. Donc okay. Quand j'ai lu et relu le message là, je me suis dit, ah, ça c'est mon histoire. Il faut que j'écrive une chanson ici. Donc voilà pourquoi j'avais écrit, pendant que j'ai passé des moments vraiment de tribulation, des moments difficiles, je me suis dit en tout cas, il faut que j'écrive...
cette chanson. Je veux qu'on applaudisse bien fort pour ce témoignage, parce que c'est un témoignage qui va aussi édifier le peuple de Dieu qui nous suit par rapport aussi à l'inspiration divine que vous avez reçue. Bon, entrons maintenant dans l'album. Il y a un titre assez particulier qui attire mon attention et qui a attiré l'attention, bien sûr, du commun des mortels, quinois en particulier et congolais en général. Le titre Punda, c'est vrai. Dans la Bible, histoire à Pundezali, on parle de Punda. Dans notre jargon, on appelle le cheval Punda. Mais dans la musique dite mondaine, hein, dite mondaine parce que c'est comme ça que c'est dit, il y a un titre assez fréquent et qui a fait un succès qui s'intitulait aussi Punda. Est-ce que c'est apparenté à ce titre? Racontez-nous, non, c'est à vous de nous raconter l'histoire de Punda. Bon, moi, cette histoire, je l'ai tirée dans l'histoire de Jésus quand il allait à Jérusalem. Alors, quelque part dans un village appelé Bethphagé, il y avait aussi un autre village à côté, Béthanie. Il y avait une âne qui était attachée là-bas. Maintenant, cette âne-là, quand on revient dans la vie actuelle, représente la vie d'une personne qui a été attachée. Parfois, on ne sait pas qu'on est attaché quelque part. Donc, vous êtes en train de faire une vie, ou bien vous êtes en train de vivre une vie qu'on appelle vie stagnante. C'est-à-dire, vous avancez 5 pas en avant, 10 pas en arrière. 20 pas en avant, 40 pas en arrière. Donc, vous êtes grandi avec les autres, et les autres sont mariés, sont allés ailleurs, voilà. Et tout qu'on sort. Ils étudient, mais vous êtes toujours là. Dans le même quartier. Vous stagnez. Exactement. Une vie stagnante. Non, en ligne là, aux rond-points. Aux rond-points, gars. Aux rond-points, ici, comme ça. Donc, on l'a pondé. Donc, on l'a attaché. Donc, on l'a limité. Ok. Maintenant, il fallait que Jésus, on a bien l'homme du milieu. Amen. On a bien le grand stratège. Allez, Kanandela, naïe, Achaïka. Ça mérite quand même des applaudissements. Ben oui. Mais Yesu n'a pas les grands stratèges.
na ben ake l'homme du milieu soka koti li kambona yo il faut kaka changer ba donner vie na yo yeso atiki ba ye koli ba dede ba fongole la impunda wana pe soki bato ba kanga ki impunda wana ba tuni motuna pona ni bezo ko fongola impunda oyo ba ye koli ba ya nola ete le maître en a besoin toke le maître. Le maître en a besoin. 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 Ok, le maître en a besoin. Go. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Bamboule poussani ma bota ezo ya kate bato balobi yo mela milangi Yesu azali na posa na yo po apesa yo tina po komo na ye ekumisama na bomoi na yo po komo na ye ekumisama na bomoi tango ekoki tozo mema Yesu na mokongo tozo mema Yesu na mokongo lokola mpundu amemaka Yesu na mokongo. Alléluia. Oh là là. Beta. Oh là là. Beta. Oh. Beta. Oh là là. Ba oyo ba finga yo ba chola yo ba seka ba la Mato.
tout le monde comme ça. Kala yesa kwa yate, yesa kwa yate. Mati sa ye sunamo kongo. Yesa mato, ale mati sa ye sunamo kongo. N'est-ce pas que ma puta au batanda qui wana punda mtani atakiamo? Hein? Punda zui gloire. Yo poza limpunda, tika batu ba seka yo, ba chola yo, balobake o to mesana ko moneka na lipazi kaka moko. To mona e kaka abambaka pantalon. To e ba ye era bi makana era zongaka. Mesana mokolo moko batu wana bako sutuka. Bako simba mitume o ya simbi kisi tonini. Ah, di lobaka na mimi Yesu na mokongo. Ezaka likamba ko mema Yesu na mokongo. Super. D'accord. Alors, quelle est la vision du frère Franck Nimi? Ma vision à moi, c'est de pouvoir évangéliser par mes chants. Okay. Donc, aller de pays en pays, des continents à continent, ouais. Traverser des mers, des océans, comme je vous ai dit là, j'étais... Mais vous l'avez déjà fait. Australie. Donc continue à le faire. Je continue à le faire. Okay. Là, je suis à Kinshasa maintenant. Ouais. Il faut que j'aille à Badolité, Lubumbashi, pourquoi pas dans des fins fonds de... Ouais. Ouais. À Beni. À Beni, exactement. Effectivement. Ok, d'accord. Alors, une adresse particulière d'abord. Premièrement, le rappel... Parce que là, nous sommes maintenant sur le monde du digital, bien que nous avons les médias traditionnels tels que nous les représentons en ce moment. En ce qui concerne, bien sûr, votre promotion. Comment est-ce que ceux qui ont pu avoir un aperçu de cet album à travers ce numéro de One Acoustique, où et comment ils peuvent vous retrouver sur les médias digitales, en fait? Quand vous entrez seulement, vous tapez, vous allez YouTube, vous tapez Franck Nimi. Donc, mon album est là. Si vous voulez vous en procurer, donc... iTunes est là, donc vous pouvez, parce que maintenant là, les gens achètent même une chanson. Par exemple, il y a d'autres personnes qui aiment Punda. Okay. Ils peuvent aller là-bas, c'est 99p. C'est autour Punda. Punda, Punda. Ok. C'est 99p. 99. Merci. Voilà. Donc merci. C'est moins d'un dollar ou un dollar. Voilà. Okay. Alors, frère Franck, bien avant qu'on puisse bien sûr clôturer, parce que les bonnes choses ont toujours une fin, les bonnes choses ne durent jamais. Vous avez sûrement des remerciements à faire, en plus de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, pour n'avoir que Obanara Naïe. Mais en plus de lui, Nabatamokili. Nabatamokili. Oui, on peut bien soutenir œuvre de Dieu. À qui vous pensez particulièrement? Bon, à ma femme, Nana Issa Nimi, qui est actuellement. En Angleterre, je l'aime bien. Elle me manque. Mutoto Akisangani. Et puis je remercie. Derrière moi, il y a ma grande sœur. La yaya de yaya. Il y a mon grand frère. Oh, le grand frère est là. José, ouais. Okay. Lui aussi, Kosaranate. Oh. Donc c'est un don familial. Ton bétain a un orchestre, mon corps. N'a pas frère, Runo.
ténor et alikolo, on a donc la tête. Ok. À part lui, il y a mes cousines, Bazawana, Banyes, Bango Bazaliawa. On applaudit toute la grande famille. Na bo sanité, Bandeko, oh vraiment, Basungingai. En tout cas, sans Nzambe et puis sans Bango, il y a vraiment mawatro. Dans le cœur qui a accompagné bien sûr cette prestation. Ouais. Voilà, donc grand merci à vous aussi. Grand merci. Et One Acoustic aussi vous dit grand merci pour One Acoustic. Ah, tout mes grands sous. Merci. On s'applaudit encore bien fort à la grande équipe technique de B1. Je pense à Platon Kouni, je pense à Gaylor Soukama, je pense à tous les caméramens, ou pourquoi pas aussi à HK et au réalisateur Sibi. Si vous avez aimé ce numéro de One Acoustic, sachez que le rendez-vous est encore pris pour un autre au prochain numéro, à la même heure, sur la même chaîne. Et surtout, ne zappez pas. Dieu vous aime et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Lelo koyembela Yahweh mokonzi na lola biso to uti bandako to ye kokumisa Yahweh mokonzi na lola biso to ye lelo koyembela Yahweh mokonzi na lola biso to ye lelo koyembela Yahweh mokonzi na lola Soto uti bipai na bipai Toye kokumisa Yahweh moko Zina lola Gayo yona uti na lontre Na ye kosangana na bandeko na kishasa Kokumisa Yahweh Pisoto ye lelo Toye lelo Koyembe na Yahweh moko Zina lola Oh pisoto ye lelo Toye lelo Baluba ba mombo, batantu ba swahili ba sangani lelo, kokumisa Yahweh moko. Tuti bipai na bipai, toye kokumisa Yahweh moko. Zina, oh biso toye lelo. Toye lelo, koyembela Yahweh moko. Zina, oh biso toye lelo. Jesus, kolon zambe na kuya. Oh papa, lokumu ezonga na yo. Papa, san joli ezonga na yo. Kolo Jesus, kolon zambe na kuya. Papa, san joli ebonga na yo. Papa, milolo ebonga na yo. Topeti maboko milolo pona yo. Est-ce qu'on lance des cris de joie? On fait lancer des cris de joie. Encore. Oh kolo Yesu kolo nzambe na nguya. Kopeti maboko milolo se bona ye. Kolo Yesu kolo nzambe na nguya. Oh papa lokumu ezonga na yo. Oh nzambe malamu. Oh san joli na yo Oh san be malamu Papa e bonga na yo Oh san be malamu Na yemeli mokonzi nzambe na ngai Alleluia eh Alleluia kembo kembo Osana na Yahweh Kembo kembo Osana Oh yemeli mokonzi elonga na ngai Alleluia eh Alleluia kembo kembo Osana na Yahweh Oli bala yanga ina Yesu kino na lola ende Osana na Yahweh Oh ambiance kino lola ende Alleluia
Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, 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 Papa. Alléluia, 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 Hosanna. Alléluia, 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 Papa. Papa, ba koyemba, ba kokumisa yawe shama, shama, shama. Ba mama bilenge ba sangani bo ba kumisa yawe. Oh, yeah.